Maintenant, nous passons à l'activité sur les bruits de l'eau. L'eau, ça bouge. Quand on touche l'eau, ça bouge. L'eau est bleue, mais elle est blanche aussi. L'eau est transparente, ça veut dire on ne voit pas. L'eau, c'est mou, ce n'est pas dur. On peut voir sa main dedans. L'eau n'a pas d'odeur et n'a pas de goût. L'eau fait des bruits différents, on trouve l'eau dans de nombreux endroits. Quand on sort la main de l'eau, ça coule, c'est léger, c'est liquide. Quand on touche l'eau, c'est froid ou c'est chaud. Le dessus de l'eau est toujours plat. L'eau nettoie, lave. L'eau se transforme, se change en bulle, en buée, en glaçon. L'eau donne la vie. Sans elle, on ne peut pas vivre, ni la nature, ni les animaux, ni les êtres humains. On va reconnaître les sons qu'on entend, ruisseaux ou vagues de la mer, ou la pluie, la grêle, une chute d'eau, une source, des bulles dans un aquarium, en écoutant le bruitage. Maintenant, on essaie de ne pas bouger. On se relaxe en écoutant petite musique au fond d'un coquillage.